adulé dans son pays, Oleksik, Oleg pour tous ses supporters, va dominer son rallye étape chaud, tracé dans la ville de Wrocław, épicentre du rallye, une étape chaud suivie par des dizaines de milliers de personnes. Oleg, autoritaire leader d'un bout à l'autre de ce rallye de Pologne. Grosse déception pour l'ancien espoir italien Alessandro Fiorio, il ne termine que 12e. Huitième au général, vainqueur du groupe N, le Polonais Swoboda, sur une Lancer Evolution 4. En russe, en sixième position, Alexandre Potapov, sur l'escorte RS du team Gazprom. Sans 2 minutes 30 de pénalité, il pouvait entrer dans le top 5. Participation internationale en Pologne, le monégasque Zénéré est cinquième au général. Zénéré, pas très à l'aise sur ce tracé, espère faire mieux que Deutschland. Neuvième au court anglais, sous volant d'une antique Lancia Delta, le Finlandais Tony Gardemeister se montre à son avantage en Pologne, où il termine à une excellente quatrième place. Gardemeister rate le podium pour 2 secondes 6 dixièmes. C'est le russe Sergei Baldikov qui brûle la politesse. Il est troisième sur une Subaru Impreza World Rally Car. Une année lumière du vainqueur, Robert Grzinski, sur une Corolla World Rally Car. Les supporters pour saluer le vainqueur de cette 55e édition du Rallye de Pologne, Christophe Oleksik, sur une Subaru Impreza World Rally Car 97. Son plus proche poursuivant est à plus de 3 minutes, pas besoin d'une photo finish.